Mais du point de vue politique, les Japonais ont démontré qu'ils pouvaient s'occidentaliser profondément sans devenir des Occidentaux. C'est ça que ne comprennent pas les gens aujourd'hui. Bien sûr que Erdogan est profondément occidental. Il oblige sa femme à porter, tu te rappelles, le voile le premier. Donc il a été en prison. Avant d'être maire, il a été en prison pour viol de la laïcité. Et Atatürk avait confié à l'armée de défendre la laïcité. Tu te rends compte? Confié à l'armée de défendre la laïcité de l'État contre les musulmans. C'est pour le faire, hein? Et bon, donc ça prouve qu'il a agressé profondément aussi, hein, son peuple. Donc c'était mieux vis-à-vis des... Faut pas chercher à imposer la démocratie chez les gens qui ont une autre culture. C'est eux qui doivent la découvrir. Comme en Iran, les femmes aujourd'hui. C'est pas prévu, c'est pas les Américains qui poussent. C'est les contradictions de la vie qui les poussent à faire ça. Non. Donc c'est des conneries, les gens. Il y a une sorte d'indigence scientifique, tu vois ce que je veux dire, d'ignorance de la complexité, pour parler comme Edgar Morin, qui a toujours rabassé la complexité toute sa vie, lui. Bon, passons là-dessus, je suis méchant, là. Bon, et au début, il a fait des bonnes choses. Mais, bon, donc, c'était mieux... Aller imposer la démocratie en Irak, faire de la grande démocratie du Moyen-Orient, c'est des conneries. On paye l'Occident, hein, on paye l'Occident. Alors, donc, il faut trouver des compromis, des manières de vivre avec les autres, quoi. Bon, il n'en reste pas moins qu'on dominait, hein, on domine l'ONU, on domine les banques mondiales et tout, donc... C'est pas seulement de dire faut respecter les autres, mais il faut aussi un peu moins les dominer. Hein. C'est ça qui est en train d'être revendiqué par Poutine et tout, qui dit il veut sa place. Il a raison pour défendre sa connerie, la grande Russie, c'est une merde. Mais difficile aussi de... De penser que l'Occident va disparaître ou être dominé comme on domine les autres. Ça me semble difficile pour l'instant, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu réfléchis à la Chine, moi j'avais le meilleur étudiant qui est devenu Toraval, hein. Formidable, vraiment. Devant lui, je me sentais tellement modeste. Il parlait russe, il parlait chinois, il écrivait le chinois, il parlait arabe, allemand, anglais, persan, italien, français. Je faisais chier, moi je me sentais petit là devant lui, mais je l'admirais beaucoup. Hein. Et oui, c'est comme ça qu'il faut... Quelles sont les valeurs asiatiques que Xi Jinping et ses descendants vont nous imposer s'ils dominent le monde. Moi, de toutes mes lectures, de toute ma vie, j'ai découvert qu'une seule chose. Une seule chose. La souveraineté du peuple et les droits de l'homme, quand même, c'est unique, ça n'existe qu'à peine en Europe, même, hein, faut pas se faire d'illusions. Mais l'idée que le peuple est souverain, c'est pas Dieu, qu'on est responsable, et pas seulement libre, libre comme les gilets jaunes, mais libre et responsable de sa liberté, ce qui n'est pas le cas dans la moitié de l'Europe.
Tout le monde, c'est libre, mais libre de ne pas faire vacciner. Mais si tu contamines toi-même et les autres, ah, je m'en fous, pas de responsabilité. Donc, décadence de la démocratie par rapport à elle-même, quoi, je veux dire. Hein. Donc, c'était mieux. Moi, je pense que, d'ailleurs, après la République, il y a eu le Bonaparte qui s'est fait sacré empereur. Ça. Tu vois tout de suite que ça n'a pas duré longtemps. Hein. Puis après, c'est la monarchie de Juillet. Puis après, on revient à la République presque par accident. C'est quand la Prusse écrase la France, si tu te souviens, et que le roi de Prusse se fait sacré empereur d'Allemagne à Versailles pour nous humilier. Sale con, va. Eh bien, c'est là que ça devient une république bourgeoise, jusqu'à maintenant. Mais avec cette idée que séparer la religion de l'État, ça, aucun pays au monde ne le fait. L'idée d'une séparation à la française, vous êtes libre d'avoir une religion ou pas, mais on vous protège si vous en avez une, et non pas, comme les Américains le croient, on lutte contre la religion, non, pas du tout. La laïcité, c'est protéger toutes les religions et ceux qui n'en ont pas, quoi, c'est tout. Mais les instituteurs laïcs, face aux curés bretons, n'étaient pas tendres non plus. Mais les curés bretons n'étaient pas tendres non plus. Hein. La République a été refusée par l'Église catholique pendant tout le XIXe siècle. Tout le XIXe siècle. Et donc il y a encore des rejets de tout ça maintenant en France. Donc c'est mieux. Moi je ne vois qu'une seule... Dans les temps modernes, je dirais, hein, dans l'Antiquité, je ne sais pas. Je ne vois qu'une seule lumière qui va perfuser pendant des siècles, quand les peuples vont s'en emparer pour eux-mêmes, par eux-mêmes, pas nous imposer la liberté aux femmes iraniennes. C'est elles et les hommes qui l'accompagnent, qui les accompagnent. Donc j'ai de l'espoir quand même vers... la reprise possible en Chine même un jour de droit à plus de liberté. Mais ce n'est pas nous qui on nous a posé, quoi. La géopolitique moderne, c'est un nouvel ordre à définir, accepter l'altérité, sans partager évidemment les valeurs de Xi Jinping ou de Poutine, établir des rapports de force un peu plus... équilibré mondialement, tout en gardant quand même une bonne place dans le monde des Occidentaux. Parce que si tu vas en Occident, en Orient, partout, en Afrique, les portables, c'est nous qui les avons inventés, les frigidaires, les bicyclettes, les motos, les voitures, les avions, les hélicoptères, tout est intégré par le capitalisme industriel. Car la grande coupure, c'est ça. C'est le capitalisme industriel, 19e siècle, associé aux sciences modernes, biologie, chimie, tout ça, chimie allemande, qui crée la base moderne de la vie des gens au monde entier. Et donc, les milliers d'étudiants, combien ? 600 000 étudiants chinois en Afrique, aux États-Unis, en Angleterre. On en avait 900 au CNRS. Les photocopieuses étaient cassées chaque mois. Photocopier tous les cours, envoyés en Chine. Bon, c'est normal, quoi. Mais en même temps, ils ont des. C'est pas une photocopie qui fait qu'on peut faire une fusée. Hein. Il faut avoir les esprits pour ça. Et ils ont les esprits pour ça, partout, quoi. Le premier Barouilla qui est devenu professeur de l'université, tu te rends compte? Devant moi, il était là, quand il est parti, un sauvage, entre guillemets. 10 ans plus tard, il est professeur d'université en mathématiques. Le cerveau est pareil, quoi. C'est pareil. Donc, je sais pas. Donc je te dis, c'est très important de... Alors, je regrette que, à part des gens comme lui, moi et quelques-uns, les anthropologues, ils ne mouillent pas leur chemise. Hein. Ils ne mouillent pas leur chemise. Ils font leur travail correct, une belle monographie sur le
les Indiens d'Amérique, les cœurs d'haleine, les trous du cul ou n'importe quoi. Bon, ils ont fait leur boulot, ça fait un bouquin, une base de données enrichie. Mais il faut témoigner dans notre société. Il faut prendre ça. Moi, je parle à la télévision, j'écris dans Le Monde et tout. Il faut l'inceste, le petit livre sur l'inceste. J'étais malade, j'étais dans mon lit. Hein? J'étais tombé deux fois depuis, je suis en difficulté. Je regarde la télévision française de mon lit, je vois quoi? Des discussions sur la Familia Grande, Monsieur Kouchner a quitté sa femme, son remplaçant qui a épousé son épouse, il baise son fils. Alors, regarde les Français. Ils appellent beau-père ce qu'on appelle en anglais stepfather, c'est-à-dire le beau-père réel, c'est le père de ta femme. N'est-ce pas? Mais si tu épouses une femme en deuxième noces, il est le stepfather des enfants. Il n'est pas le father. Voilà. Donc les Anglais savent faire la différence. Les Français ont inventé la connerie qu'un type qui épouse en deuxième noces une femme, il devient beau-père. Beau-père, c'est un terme d'alliance, c'est pas un... alors que c'est une quasi-consanguinité. Et donc il doit se comporter comme un père vis-à-vis de la fille de sa femme de premier lit. Il ne doit pas baiser cette fille. Il doit se comporter comme un père, même s'il n'a aucun lien génétique et familial avec lui. Tu comprends? Bon, l'opinion publique est d'accord là-dessus. En gros, on ne baisse pas la femme, la fille, quoi. Alors, le type, là, c'est pire, là, il a baisé. En homosexualité, il a baisé le fils de sa femme. Donc, il y a un rapport homosexuel par un beau-père, par un stepfather. Tandis que father-in-law, c'est le beau-père. OK. Je vois ça à la télévision. Je vois le débat TF1, TF2, des sociologues, oui, des psychologues, très bien, là, c'est terrible, la famille se referme, le village le sait, mais personne ne dit rien, enfin des trucs qu'on connaît. Je suis tellement indigné qu'il n'y ait pas un anthropologue, alors que je suis là à Athènes dans mon lit d'hôpital. Je téléphone à Anne Chemin, que je connais bien, au Monde, j'ai dit, écoute, c'est pas possible, il n'y a pas d'anthropologue, il n'y a pas un de mes collègues là que vous pouvez inviter sur les plateaux, quoi. Le lendemain, je reçois un email, la rédaction du Monde vous demande de faire le plus vite possible un article. Et donc, je suis dans mon lit, j'ai pas de bibliothèque, donc l'avantage énorme, je n'ai que ma bibliothèque intérieure. Et donc je dicte deux pages dans Le Monde à mon assistante. Et il le publie, Le Monde, tout de suite. Et le CNRS, après, le CNRS, la direction, pas la direction, les éditions du CNRS me disent, on peut pas faire un petit livre avec l'interview, putain, j'ai dit, hé les gars, je suis dans mon lit, là. Et j'ai fait le petit livre à partir de mon lit. Et ça, c'est étonnant, car quand je dictais, je n'avais plus mal. Je parlais pendant 2 heures au téléphone sans avoir mal. C'est-à-dire mon corps, c'était le psychique qui annule la douleur. Tu vois, le truc, c'est vraiment, c'est fini, toi. Voilà. Encore 1 minute, il me dit. Donc ça, c'est important, hein. Incroyable.